Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Ça cuit sur Aïcha Kamoaz. Coucou millions et millions, ça cuit. La pygmée, la coûte chose là. Ça cuit et cette fois c'est sur moi-même que ça a cuit. Donc, ça cuit jusqu'à ça attaque. J'attendais ça depuis. J'attendais ça depuis. Vous avez écouté la vidéo d'Aïcha Kamoaz tout à l'heure. Mais voyez, ouais, mes balades se font comme d'habitude. Tu vois que quelqu'un a créé un compte avec Tchabda. Oh! Maman, on pensait que Tchabda s'est réveillé de ses ténèbres. Aïcha, tu prends même les gens pour les qui? On pensait que la guerre a commencé. Il faut qu'on se prépare. Tu prends les gens pour les qui? Depuis FF, on ne parle pas. FF, on ne parle pas. On ne répond pas. Quand tu peux te lever un matin, on fait un poste comme celui-là. Tu croises les bras en disant que non, tu attends que la personne vienne faire le direct. Hein? Non, moi, ça me dépasse. La personne raconte des inepties. Ça chauffe dans ma tête, il pas d'abord avril, pas d'abord écrit, il appelle d'abord Tchabda. Il répond, après il raccroche, je rappelle, il ne prend pas, j'envoie le message. J'envoie le message, donc je lui demande que c'est quoi. Qu'il veut y avoir que... c'est quoi? Tu as ruiné la vie de mon frère, Depuis là, je suis en train d'attendre que la personne décortique me donne les éléments nécessaires à... je ne vois pas. Comme si ça concernait la vie d'une autre personne, Aïcha, tu devais mener les enquêtes. Tu as ruiné la vie de mon frère. J'ai dit à la personne qu'il faut qu'il fasse un direct. Parce que moi, je suis mamie direct. On doit te faire les directs. Mais comme c'est sur toi, tu nous laisses croire que non. Tu as dit que si c'est... que mamie, c'est n'importe qui vient faire le direct parce que tu fonctionnes en direct. Tu te moques même de qui? Quand on veut parler, lui aussi, il dit qu'il faut le laisser, Est-ce qu'elle a un palais? Oh, il y a plusieurs Tchabda. Jusqu'à prononcer la courte chose là, Aïcha Kamoaz là. Je vous ai dit qu'on ne peut pas même museler, non? Je vous ai dit que la seule histoire qu'on peut venir bavarder ici, c'est l'histoire de Tchabda. Quand il s'agit de parler de la vie des gens ici sur Facebook, tu nous dis que tu as des sources sûres. Je te dis que... Tu as les indics. Tu as les gens qui te donnent les informations. Mais arriver sur toi, sur quelque chose qui te concerne, qui concerne ton enfant. Tu n'as pas d'indic. Tu n'as pas de source sûre. Tu n'as pas un moyen de mener les enquêtes pour savoir exactement la provenance. Vraiment, c'est malheureux. À part ça, fouiller, refouiller l'histoire de Tchabda. Pourquoi? Parce que Tchabda, c'est la seule personne qui a mis son empreinte dans ma vie. Maintenant, l'heure de la vérité a sonné. Je vais tout dévoiler. Dans les autres, je n'y parle. Donc, hier, ça n'a pas trop d'impact. Voilà la seule personne là-bas que ça a l'impact. Tu as ruiné la vie de mon frère. Attends. Tu prends les gens pour les qui? Tu penses que ton intelligence, pendant que tu réfléchis, tu es qui pose sur notre part d'intelligence? Point d'interrogation. Donc, mesdames et messieurs, ne vous dérangez pas pour moi. Moi-même, ma soeur raconte ma propre histoire. Moi-même, ma soeur bavarde sur ma vie. Si j'ai honte de ma vie, je peux avoir honte de ma vie. Moi-même, raconte mes propres péripéties, hein. Il y a quoi sur ça qu'elle ne peut pas raconter. Tu as ruiné la vie de mon frère. Hein? Voilà, t'as pas de socoquet dehors. C'est Tchabda qui est venu. Il demande de faire le test de paternité. Il dit qu'il ne s'est jamais occupé de cet enfant-là parce que il n'était pas le seul à Temougou. Oui. On va dire, je ne me cache pas, c'est donc toi qui pleure. Ils étaient nombreux sur toi. Voilà pourquoi il ne peut pas accepter assumer une paternité dont il n'est pas sûr. Parce que mon tonton est serré. Oh. Il a refait sa vie. Laisse-le faire sa vie. Parce que mon tonton est serré. Ah bon? Mon tonton est très serré. Je ne suis pas en train de jeter les fleurs. Fous le camp. Hey. Seigneur. Pause publicitaire. Bendès Inter est une entreprise créée par un jeune Camerounais qui fait dans la pisciculture. Oh wow. Bendès Inter fait dans la production des poissons, la construction des fermes, vente de matériel, ainsi que la formation en pisciculture. Donc je vous conseille, chers parents, envoyez vos enfants à Bendès Inter se faire former en pisciculture. Ouais, ça c'est très bien. Si vous avez également votre événement, vous avez besoin des poissons brisés, contactez Mendes Inter, il vient avec son équipe sur place, vous fait briser des poissons. En une heure de temps, il vous brise 100 poissons. Hein? Mendes Inter, votre satisfaction, c'est notre priorité. Contactez rapidement le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations. Ok. Je vais vous raconter Tchabda, demandez-lui, Partout, Tchabda, c'est quoi?
Voilà le problème, voilà ce qu'il en est. Mon ouest sent l'eau de rose, hein. Ah bon? Quoi? Mon ouest sent l'eau de rose, hein. Hey, laisse les gens. Arrête un peu ça que non, j'ai demandé qu'il vienne faire le direct. Laisse. Quand ça concerne d'autres personnes, tu n'attends pas que la personne vienne faire le direct. C'est vrai. Tu n'as pas un autre homme dans ta vie. Hein? On n'a plus respiré. Comme tu as commencé là, on va finir. Dans la petite sortie de 2 minutes 10 secondes, une seconde que tu as fait là, tu crois que tu nous as comme ça là, hein, mis au petit vélo, que pendant qu'on pédale, tu continues là, tu passes à autre chose. Demande les positions que je prenais. Oui, tu peux faire le direct même 5 fois par jour. Mais quand ça tombe sur toi, tu vas faire un direct de 2 minutes, 1 seconde que non. J'ai demandé qu'il fasse le direct parce que tu fonctionnes en direct. Laisse-nous ça. Honnêtement, je suis fatiguée aujourd'hui pour faire un direct. Comme tu as commencé là, on va finir. Tu vas pas nous berner, ma soeur. Tu vas pas nous berner. Viens nous raconter le test d'ADN là. C'est Tchabda qui demande de faire le test d'ADN. Ne venez pas mal. On dit que petit piment, petit mais costaud. Hein? Chaque fois, on veut parler, on dit qu'on ne se mêle pas des affaires de sang caleçon, non. Il va que supporter mon frère avant que ça va me caler au cou. Pourtant, c'est toi qui viens ici tous les jours nous faire comprendre que il y a certains enfants ici dont les pères ne sont, dont les pères ne sont pas les pères. Mon frère, je suis à toi. C'est moi qui donne la direction du Congo. Ça, comment ma propre histoire vient, je dois faire motus bouche cousue, non. Tu es venu nous dire ici, Aïcha, que l'enfant de Noël que mon n'était pas l'enfant de Fingon. Oh, wow. Ah, vraiment le Cameroun. J'ai même vu un post que Noël que moi a fait. Tu as essayé de vouloir démentir que non, c'est faux. C'est pas ce que tu as dit, tu ne parles pas des enfants. C'est ce que tu avais dit. Quand je vois le Congo, ça, ma chaîne ne tient plus. Que ce n'était pas l'enfant de Fingon. Tu as dit ça ici. Wamba! Wamba! Soto! Avec certitude, avec preuve. Que tu avais toutes les preuves. Aujourd'hui, tu viens nier que tu ne parles pas des enfants des gens. Quand tu parlais de cet enfant-là, à l'époque, elle était encore embryon. Elle était encore fœtus. Tu parlais d'Adèle. Wamba, c'est chaud. Hein? C'est comment? Ta mère, con. Maintenant qu'on veut parler de ton enfant, de ton enfant, tu dis que non, tu ne parles pas des enfants des gens. Tu parles. Quand une histoire vient se retrouver sur la toile, et comment les palpitations attrapent mon corps? Tu ne parles pas de qui? Est-ce que tu tries même pour parler de quelqu'un? Wamba, con. Tu parles de tout le monde. Tu fous tes narines partout. Tu fous ton nez partout. Les histoires des gens. Tu es le propriétaire de tous les dossiers sur Facebook. Wamba. Tu connais la vie des gens mieux que eux. Oh, Tchabda, tu n'as pas une vie. Tiens, je m'installe. Tchabda, c'est le centre de ta vie. Tu n'as pas une vie. Tout le temps, tu nous parles de Tchabda ici. C'est vrai. Oh, il t'a abandonné. Oh, machin. Le voilà qui est venu demander le test. Va faire le test, tu viens nous montrer le résultat. Mais ça va péter. Noël, comme on t'a monté sa part de test. Elle a accouché l'enfant. L'enfant est la photocopie conforme de Fingon Tralala. Wamba! Tu affiches l'enfant de quelqu'un, tu ne peux que prononcer son nom, il ne te répond pas, il n'agit pas. Peut-être que c'est même toi qui as manigancé avec quelqu'un pour créer ce faux profil pour enfin révéler son identité pour le nuire. Tu veux ruiner sa vie jusqu'à quel niveau? Hein? Hein, la pygmée Aïcha Kamoise là. Va faire ta part de test, tu viens nous montrer. Oui, c'est comme ça. Ta mère, con! Dégage là-bas devant moi. 9 mois de souffrance dans mon ventre. Pour devenir ça. Je te dis que 9 mois perdus, 9 mois dans l'eau. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.